Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait même pas comment il s'appelle. On sait juste que c'était un garçon, un petit garçon. La Bible ne nous donne pas plus de détails sur qui il était. Mais c'est un des rares endroits où l'on parle vraiment d'un enfant et où il est le personnage principal de l'histoire que je vous raconte. C'était sûrement un garçon tout à fait normal qui vivait dans les collines de Galilée près de Tibériade. Je ne sais pas non plus pourquoi il était précisément là au moment où cette histoire s'est passée. Disons simplement, un beau jour, sa maman lui a donné un sac avec des provisions pour la journée. Elle lui a dit « Va te promener, mais fais bien attention et sois de retour avant qu'il fasse nuit. » Et comme ça, le garçon était parti. Dans les collines près du lac, il a soudain vu une foule. Plein de gens qui allaient tous dans la même direction. Mais qu'est-ce qu'il faisait là? Notre petit garçon était curieux. Alors il s'est approché. Il n'avait jamais vu autant de monde à la fois. Il y avait des paysans, des bergers, des femmes, des enfants. Ils étaient tous venus voir Jésus. Ils voulaient l'écouter. On disait qu'il parlait de Dieu. On disait que ses paroles faisaient du bien, qu'il savait donner du courage et de l'espoir aux gens. On disait même qu'il avait le pouvoir de guérir les gens. Alors les gens attendaient beaucoup de lui, ils mettaient beaucoup d'espoir en lui, parce qu'il avait cette chaleur quand il leur parlait. On sentait qu'il ne se moquait pas des gens, on sentait qu'il les prenait au sérieux. Il cherchait à leur faire comprendre que Dieu les aimait, alors les gens se sentaient proches de Dieu. Notre garçon les a vus marcher tous dans la même direction, alors lui aussi il s'est mis en route. Ils ont marché, marché à travers les collines, et plus ils marchaient, plus ils étaient nombreux, jusqu'à ce qu'enfin, ils trouvent Jésus. Jésus qui se tenait là, assis sur une colline, et la foule était devant lui. Les enfants savent toujours comment il faut faire pour se faufiler et trouver les meilleures places. Notre garçon s'est fait tout petit, il s'est glissé entre les gens jusqu'à être tout près de Jésus. C'est alors qu'il a assisté à une scène qui l'a étonné. Jésus s'est tourné vers son ami Philippe et lui a dit, de façon que tout le monde l'entende, « Philippe, qu'est-ce qu'on va faire pour que tous ces gens aient de quoi manger ?» Le garçon avait l'impression que Jésus connaissait la réponse. Il avait l'impression qu'il lui posait cette question juste pour voir ce qu'il allait répondre. Mais justement, Philippe ne savait pas trop. Peut-être qu'on devrait aller acheter du pain, mais pour tous ces gens, ça coûterait très cher, au moins 200 pièces d'argent. Comme Philippe était embarrassé. Et maintenant, tout le monde le regardait. Alors notre garçon s'est souvenu du petit sac qu'il avait avec lui. Tout doucement, il s'est approché d'un autre ami de Jésus. C'était André. Le garçon lui a chuchoté. « J'ai quelque chose à manger. Tu peux l'avoir. » Et il a donné tout ce qu'il avait aux disciples. André ne savait pas trop quoi faire avec si peu de choses. Alors il est allé vers Jésus. « Maître, il y a un garçon ici qui a 5 petits pains d'orge et 2 poissons séchés. « Mais c'est bien trop peu pour autant de monde. » Jésus a regardé le petit sac, puis André, puis le garçon. Il y a eu un grand silence. Puis Jésus a dit « Fais asseoir tout le monde sur l'herbe. » Quand tout le monde a été installé, Jésus a commencé à partager. D'abord le pain, puis les poissons. Tout le monde
recevait des morceaux et mangeait. Et il y en avait assez. Il en arrivait toujours plus. Bientôt, plus personne n'avait faim, même pas notre garçon. Alors, Jésus dit à ses disciples d'aller ramasser les restes. Et là, tenez-vous bien, il restait du pain. Et même tellement de pain qu'on a pu remplir 12 corbeilles avec. Les gens étaient très impressionnés. Certains se mettaient à dire, « C'est lui, le vrai prophète qu'on attend !» S'ils avaient pu, ils auraient tout de suite nommé Jésus leur chef, leur roi. Quand on y pense, ça aurait été quelque chose. Jésus roi, roi du pain. Il y avait une grande agitation. Tout le monde s'étonnait que Jésus ait pu nourrir tout ce monde avec si peu de choses. Tout le monde discutait. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que Jésus était parti, sans rien dire. Il ne voulait sûrement pas être forcé à devenir roi. Pas comme ça. Alors, les gens se sont dispersés. Alors, notre ami aussi, petit garçon, est rentré à la maison. Il a resuivi tout ce chemin qu'il avait fait et il est arrivé peu avant que le soleil se couche. Mais cette nuit-là, longtemps encore, il a pensé à ce qui s'était passé et comment le Christ avait nourri autant de monde.